Comme vous pouvez voir, regardez, on voit juste l'ombre. L'ombre de mon marteau là-bas. Et salut à toutes les copains, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Pourquoi j'ai frappé mon bureau, je sais pas quoi, le pauvre il m'a rien fait. En plus je viens de recevoir mon nouveau tapis de souris Wish, plutôt content, il est rétroéclairé, il est plutôt sympathique. Là je vais vous montrer vite fait. Voilà, j'ai reçu un tapis de souris. Ça m'évite de déglinguer le bureau à Madame Raifid. Du coup écoutez, j'espère que vous avez la forme. Écoutez, il faut que je vous parle, j'ai trouvé un truc d'incroyable sur le jeu de Fortnite en baladant en mode créatif et en vous tournant une vidéo. Vous savez, je vous ai fait il y a quelques temps une vidéo pour vous montrer un bug qui vous permet en fait d'être minuscule sur Fortnite. Le glitch marche bel et bien, il n'y a pas de souci. Mais le truc c'est qu'en essayant de le faire moi-même de mon côté, bah j'ai réussi à trouver un deuxième bug en fait en faisant celui-ci sans faire exprès. En faisant ce bug, j'ai réussi à aller sur le toit de la map, donc sur le mur invisible sur le toit de la map. J'ai réussi à devenir géant et surtout, j'ai réussi à devenir complètement invisible sur Fortnite, complètement invisible. On voit que ma pioche et en rentrant dans certains véhicules, du coup vous pouvez ranger la pioche et du coup plus voir du tout aucune arme sur votre skin en fait. C'est ça qu'on va vous montrer. Du coup c'est un glitch 3 en 1 vraiment incroyable à faire en créatif qui peut être sympa pour troller vos amis. Pour aller aussi sur l'île, je pense qu'il y a moyen de trouver une variante et d'aller sur l'île principale avec. C'est parti pour les explications juste avant. Et oui les copains, je sais, je vous casse les couilles, me dire à chaque fois. Mais il faut vous abonner les nouveaux là, les nouveaux qui n'arrivent sur la vidéo. Je compte sur vous, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous. Également pour tous les copains abonnés, allez 300 likes sur cette vidéo, vous m'explosez la barre de like comme d'habitude. Je sais que vous êtes les meilleurs les copains, vous pouvez largement y arriver. Les streams sur Twitch, tous mes réseaux sociaux, c'est Raifid tout partout. Si jamais du coup vous voulez m'ajouter, venir me suivre, venir me parler, etc. etc. C'est vous qui voyez. Parce que oui c'est bien Raifid, tu casses les couilles, tu fais ta pub. Mais nous on est là pour le glitch, ok. C'est bon, arrêtez. On n'est pas là pour se battre. Je vais vous montrer comment on fait. Donc vous lancez votre île. Par contre là ça sera mieux sans les bugs de connexion hein, parce que clairement les bugs de connexion c'est pas cool. Vous pouvez être moyen, géant, gigantesque. En fait à arriver à une certaine taille, vous devenez complètement invisible parce que le jeu est fou, on voit que votre pioche. Enfin c'est assez bizarre. Bon, donc comme j'ai pu l'expliquer plein de fois, vous allez dans votre île créative. Rendez-vous sur votre île. Vous pouvez prendre n'importe laquelle des îles, n'importe lequel des biomes fonctionne. Il faut juste que vous lancez un créatif. C'est un glitch réalisable avec le pistolet. Vous savez le pistolet propulse là, ou piou piou, et puis tu te transformes en l'objet que tu veux. Bon bah voilà, vous lancez votre île créative. Vous allez au niveau de la faille qui vous permet de retourner à la cale créative. Donc moi elle est dans tout ce bordel ici normalement. Faut que je la retrouve, elle est aussi bien rangée que ma chambre cette île, attendez. Vous allez au niveau de cette petite faille ici. Bon moi j'ai déjà préparé le terrain parce que Tonton Taco c'est quelqu'un d'organisé. Prenez ça, le pistolet laser. Allez, moi j'appelle le piou piou. Je sais pas pourquoi. Vous prenez le piou-piou, vous mettez à côté de l'espèce de file, enfin voilà, le truc qui fait retourner à la caille. Et en fait, le principe du glitch est basé sur la hitbox, comme lors du précédent glitch pour devenir minuscule. Si vous transformez un certain objet, votre hitbox s'agrandit. Et donc du coup, malgré que vous soyez à distance de la faille, dès que vous sélectionnez un objet pour se transformer en cet objet-là, votre hitbox grandit. Ce qui fait que vous vous téléportez automatiquement dans la faille, malgré que vous n'êtes pas encore transformé. Donc là, le principe du glitch, pour être minuscule, il faut se transformer en un objet très petit. Pour ça, vous avez l'espèce de bougie, voilà, ici, là. Mais nous, on va le faire avec d'autres objets. Donc là, première chose, voilà, les bougies, elles sont là. Nous, on va le faire déjà pour être géant. Donc on va essayer dans un premier temps avec ces racines-là. Vous allez voir qu'on va être beaucoup plus gros que la normale. Et ensuite, on va essayer aussi avec un arbre géant qui peut nous faire devenir gigantesque, en fait. Donc là, le principe c'est de coller à la faille et vous sélectionnez. Du coup on va commencer avec l'arbre pour vous montrer. Par contre le souci avec l'arbre c'est quand vous le faites avec un objet aussi grand que l'arbre, il y a une chance sur deux que vous soyez complètement bugué à l'accueil, que votre personnage pète un plomb. Voilà, vous avez vu, j'ai cliqué, je me suis transformé en arbre. Voilà, waouh mec, là comme vous pouvez voir, regardez, normalement on peut voir l'ombre de ma pioche. Ah bah regardez, on peut voir mon skin, là il est gigantesque. Mais là apparemment j'ai dû me fail parce que vous voyez que mon écran il sature, il bug. Donc là par exemple on peut vous montrer la racine là du coup hein, regardez. On va se coller à la faille, voilà, là vous cliquez et vous sélectionnez du coup par exemple une racine, hein. C'est une taille assez moyenne, donc c'est pas trop compliqué à réaliser, ça va vous faire revenir du coup au menu. Donc là mon perso pareil, il bug encore, mais donc là vous allez directement vous retourner dans votre île, impeccable, donc là je suis toujours en train de bugger, donc là vous retournez à côté de votre faille, donc dans l'idéal c'est de le faire je pense avec un quad. En fait là ça va nous permettre de nous... Le jeu considère que vous avez la taille de l'objet dans lequel vous êtes transformé, mais votre jeu affiche uniquement votre skin. Donc là comme vous êtes en train de bugger, vous rentrez dans un véhicule, et en fait ça va vous remettre à la taille de l'objet que vous avez utilisé. Donc là vous pouvez voir que ça m'a fait augmenter ma taille d'au moins deux fois. Donc là je suis deux fois plus grand. Après ce glitch, rien ne nous empêche de le refaire et de faire avec un plus grand objet par exemple, regardez. Attends, on va essayer avec l'arbre là, il est un petit peu plus petit les copains. À côté de la cale créative. Allez, on essaie avec un autre arbre pour voir ce que ça donne. Wouh! C'est quoi ce bordel? Ah, donc là apparemment j'ai réussi les copains. Donc vous avez vu, c'est vrai que c'est assez compliqué à faire si vous réalisez correctement ce glitch. Franchement il faut s'y prendre à 4-5 fois avant que ça fonctionne. Regardez, donc là mon personnage ne bug pas. Comme vous pouvez voir, regardez, on voit juste l'ombre de mon marteau là-bas. Je sais pas si vous voyez bien.
On voit juste l'ombre de mon marteau, donc voilà, je suis invisible et géant, complètement géant. C'est vraiment bizarre, vraiment. Même moi, pour vous dire, là, je l'ai essayé en live 4-5 fois, j'ai dû faire du cut au montage. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais si vous faites correctement, du coup, voilà, vous serez géant et complètement invisible. Donc, avec un petit peu de chance, donc vous pouvez tenter de rentrer dans les îles des autres et de garder du coup votre taille géante. Ça peut fonctionner, mais il se peut aussi que ça disparaisse. Donc vous pouvez essayer de troller vos amis comme ça. Je sais qu'il y a aussi moyen de sortir de la carte comme ça. Donc on va essayer en live, voir si on y arrive. Mais là, en tout cas, sachez que vous êtes déjà géant et invisible. Voilà, vous pouvez vous balader. On va essayer du coup. Donc moi, ce que j'ai fait pour me débugger, c'est que dès que j'étais dans le ciel comme ça, j'ai fait retourner à l'accueil. On va y arriver, on va y arriver. C'est chaud, mais on va y arriver. Ah, là ça me propose de réapparaître. On réapparaît. Parce que normalement en fait on n'est pas censé pouvoir réapparaître sur l'accueil ici. Et voilà, vous avez vu les copains. Donc j'ai réussi. Donc ce glitch aussi vous permet d'aller sur le toit ici en fait. Sur le toit de l'accueil. Qu'ils ont patché en fait ce glitch de base. Normalement vous n'êtes pas censé pouvoir retourner sur le toit de la map. Et du coup grâce à mon glitch les copains, bah c'est un nouveau bug. Vous pouvez aussi aller sur le toit de la map. C'est un de glitch en un, celui-là je peux vous dire que c'est moi qui l'ai trouvé sans faire exprès. Je l'ai vraiment fait sans faire exprès en faisant des trucs, en faisant des tests. Donc voilà, vous pouvez aller au-dessus de l'accueil créatif, mais ça sert pas vraiment à grand chose. Bon bah écoutez, bah voilà, si vous voulez vous promener, faire des glitches, essayer de troller pourquoi pas vos amis. Et voilà, j'espère que ce petit bug ça vous a plu. On se recapte très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Raifid, c'était votre tonton Tacos. A très bientôt. Puis avant de me barrer, hein, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre petit pouce avant que je m'en aille. Et puis voilà, ciao ciao. Fighting to stay in my face, live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul, these pills leave you empty.